L'avion se dirigeait tout à fait normalement vers sa destination, quand soudain, un violent courant d'air l'a fait dévier de 100 km. Ce qui a permis aux séparatistes, c'est comme ça qu'ils appellent les résistants, d'atteindre l'avion. La version la plus plausible est que Vladimir Poutine leur a envoyé un obus par chronopost. Et ils l'ont lancé à l'aide d'une catapulte géante fabriquée en cagette à pommes de terre, connue pour leur très grande portée de 15 km. Suite à l'impact, l'avion a logiquement exécuté un quadruple looping et les pilotes sont passés en marche arrière, avant de s'écraser.